Salut à toutes et à tous, c'est Chini, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Bleach Bref Soul, les frérots, où on va parler de la nouvelle bannière qui a été annoncée ce matin, la nouvelle loterie. Kenpachi, Seinusuke, Kyoraku, oui, ce n'est pas un rêve, encore un portail roman. Donc là en ce moment, depuis 2020, début 2020, là, Kelab, c'est manga, roman, manga, roman, manga, roman, manga, roman, manga, roman. Ça s'arrête jamais, mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo où on va discuter un petit peu de tout ça. Les amis, faites pas attention à ma coupe. C'était un sub goal sur Twitch, c'était le sub goal des 250. Voilà, on avait atteint les 250 subs et j'avais décidé de faire une couleur. Voilà, donc je me suis dit, on va faire gris, un peu argenté, quoi, un peu Kakashi. Tu vois ce que je veux dire, même si voilà, j'ai pas son flow. Et puis voilà, les amis, on va discuter de tout ça. Je suis un peu étonné du portail. Je pensais pas que ces personnages-là allaient sortir tout de suite. Notamment Kenpachi. Parce que ah, Kenpachi, il a de ses flows. Il est incroyable. Donc les amis, je n'ai pas découvert les statistiques, etc. Ni les fillers ou quoi. J'ai juste regardé le trailer, donc celui que vous avez vu au début de la vidéo. Et on va checker tout ça tous ensemble. Mais avant tout, si ça vous fait plaisir les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu pour le soutien. Ça fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à l'espace commentaire à dire ce que vous en pensez des personnages. Bien sûr, après avoir regardé la vidéo. Ou même si vous voulez déjà vous exprimer alors que vous connaissez déjà les personnages en question. Donc on va checker tout ça. Donc pour ceux qui connaissent, bah, Kenpachi, il y en a beaucoup. C'est votre capitaine préféré. Moi, mon capitaine préféré, c'est Kyoraku. On a Seinusuke, voilà. Moi, j'ai pas trop suivi l'histoire roman. Donc, j'ai pas trop envie de m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, il m'a l'air grave stylé. Je crois que c'est un mec de la famille d'Anataro. Un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà. Il m'a l'air d'être calme et serein et vraiment badass un peu. Mais voilà, moi, c'est Kyoraku, les frères. C'est Kyoraku, voilà, c'est mon personnage. C'est mon capitaine préféré. Et j'espère vraiment qu'il va être énervé. Mais... je vais pas vous mentir, même si Kyoraku c'est mon personnage préféré, je sais pas, Kenpachi, tu vois comment il me regarde là. Il est en train de me dire, attends, t'as pas vu d'abord moi d'abord, tu vois. Donc on va checker tout ça, et puis voilà. Donc le portail sera disponible le 31 à 9h du matin. Bien évidemment, si le portail est vraiment bien, il y aura sûrement des invocations, tout simplement. 4 loteries différentes seront disponibles pour la loterie roman, bien ça, on connaît. Donc on va commencer avec la première loterie, où les 3 personnages seront présents le 31. Donc du coup, de nouveaux personnages en version roman, on va épargner l'accent, hein, débarque. Sekou démoniaque balaye tout, Kenpachi Zaraki, un tueur d'arancaire spécialisé dans les attaques normales rouges. Ok. Sa compétence équilibre vous permettra de ne pas être interrompu pendant que vous balayez vos ennemis avec vos attaques normales au nombre de coups augmenté. Donc d'accord, donc là, on sait qu'il a équilibre et fleuri. De plus, il pourra augmenter le nombre de potions de Link vitesse que vous recevez dans les espaces de transmission. Mais il pourra également devenir immunisé à la paralysie. Alors ça c'est très très bien. Parce que bah, vous allez pouvoir farmer vos potions en automatique. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui farment les potions en automatique. Et voilà, bah là vous allez avoir votre Kenpachi bah, pour les farms de potions. Mais avec un Link de popo. Donc ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien. On passe au suivant. Sa maîtrise du Kaido est incomparable. Seinusuke Yamada, un tueur d'arancaire spécialisé dans les attaques puissantes bleues. Utiliser ses attaques puissantes au nombre de coups et à la portée augmentée. Ok, donc ça c'est Frenzy plus le truc qui augmente la portée des attaques puissantes. J'ai oublié le nom en anglais. Pour éliminer vos ennemis à travers leur garde. Ok, donc il a brise garde. De plus, son attaque puissante 2 est une technique de soin qui déploie également une barrière. Ok, apporter la compétence appropriée pour pouvoir soigner et protéger tous vos alliés une fois. Donc ça c'est très intéressant. Très très intéressant. Donc, globalement sur le papier très très bien. Il prévoit de renverser les 4 familles nobles Shunsui Kyoraku. Un tueur de personnages n'ayant aucune catégorie spécialisée dans les attaques puissantes rouges. D'accord, donc c'est un tueur de aucune ou aucun. Donc attaque puissante rouge. Il peut lacérer les ennemis, d'accord, avec toutes ses attaques, avec ses compétences qui augmentent le nombre de coups et à la portée des attaques puissantes, ainsi que celles qui augmentent la durée de sa lacération. Vos ennemis se videront de leur sang sans pouvoir vous atteindre. Il me fait penser un peu sur le papier au Kyoraku vert. Il pourra également augmenter les dégâts qui inflige au personnage lacéré pour rendre le processus plus rapide. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien.
Les nouveaux personnages de cette loterie seront ajoutés dans les personnages bonus du raid Ion éveillé et de l'événement Association des femmes Shinigami Opération Festival. De plus, j'aime bien la dire cette phrase parce que je la trouve stylée. De plus, durant la période de la loterie, les cannes et l'expérience seront doublées dans l'événement Con. Vas-y, j'ai bégayé. Allez, tous les détails des loteries sont ci-dessous. Ok. Donc, un step-up classique. Voilà la première multi à 150, la deuxième 200. Voilà. 10 paliers. Sur 10 paliers avant d'épuiser tout ça, avant d'avoir 250 à l'infini. Et palier 5 et palier 10, 5 étoiles garanties. Donc voilà, les singles, ça bouge pas. Donc, Kempachi, Zaki, les amis. Donc, déjà, la carte va être. Je sens incroyable. Enfin, en tout cas, je parle plus en termes de design. Parce que moi, les personnages attaque normale, hors PVP, c'est pas les personnages qui m'intéressent le plus, malheureusement. Donc, attaque 773, 1105 d'endurance, 374 de défense, 64 de concentration, 636 de pression spirituelle, ok. Capacité tueur à rancar, d'accord. Ok. Donc, ouais, ok. C'est bon, j'ai capté. Donc en fait là on est vraiment sur un NAD PVE, voilà. On n'est vraiment pas du tout sur un NAD PVP. Recouvert de sa pression spirituelle débordante, il attaque, fauchant avec nos Arashi, inflige dégâts colossaux à tous les ennemis touchés. Donc là pas d'altération d'état au niveau de l'aspect, voilà. Dégâts subis moins 16%, dégâts des attaques normales plus 40%, attaque normale déchaînée, attaque puissante renforcée plus 50%, attaque spéciale renforcée plus 40%, c'est un petit peu dommage ça. Par contre, rapidité, équilibre, ressource à la paralysie, 100%, potion de ligne, vitesse. Alors clairement, là, nous avons un farm de potions par excellence. Voilà, donc ça veut dire que sur un raid vitesse, avec votre Kempachi, vous farmez les potions, ça va être le meilleur. Voilà, vous allez pouvoir farmer, vous allez dropper beaucoup plus de potions de Link, notamment si vous êtes en x5, que ce soit en cop ou en PVE, en classique, donc c'est-à-dire en solo. Donc le personnage est très très bien, il m'intéresse beaucoup. Moi je suis beaucoup plus joueur PVE que PVP, donc le personnage il va vraiment m'aider. Et voilà, en plus c'est Kempachi et voilà, il m'intéresse beaucoup. Donc globalement Kempachi, très bien. C'est Inosuke, version roman. Ok, déjà t'as pas l'œil. 1100 d'endurance, 638 d'attaque, 361 de défense, 351 de concentration, 802 de pression spirituelle. 802 de pression spirituelle, donc une pression spirituelle qui est ma foi très très élevée. Tueur d'Arankar, donc un très bon killer aussi. Manipule les fils de particules spirituelles, inflige des dégâts colossaux à tous les ennemis touchés. D'accord, donc pas d'altération d'état aussi là-dessus. Temps de recharge d'attaque puissante, moins 12%, donc ça c'est très très bien. Attaque normale renforcée plus 40%, attaque puissante étendue plus 20%. Attaque puissante renforcée plus 40%, en plus de frenzy, ok. Attaque spéciale renforcée plus 60%, rapidité plus 1, soin étendu, garde annulée. On a là affaire à une petite bête. Malheureusement, le petit manque d'altération d'état se fait ressentir, mais on a affaire à une petite bête. Voilà, garde annulée, attaque puissante, renforcée plus 40%, temps de recharge, 802 de pression spirituelle. Non, il va cogner très très fort. Il va être très très fort. Je vois déjà les gens. J'invoque direct et tout. Ouais. Franchement, très très bien. Mais moi, c'est lui qui m'intéresse. C'est le petit en bas. Kyoraku. Donc, 1094 d'endurance, 641 d'attaque, 358 de défense, 360 de concentration, 798 de pression spirituelle, donc de très très bonnes statistiques. Capacité tueur de aucune, ça peut déranger certains, ça je le sais. Moi ça me dérange pas forcément. Puisqu'il faut savoir qu'on arrive aux 5 ans bientôt les amis, il y aura peut-être de nouvelles tours, il y aura peut-être de nouvelles choses. Et il y aura sûrement les derniers personnages en question qui seront très utiles lors des prochaines tours. Voilà. Donc moi ça m'intéresse. Croisant les doigts pour confirmer une promesse, d'innombrables épines apparaissent, inflige des dégâts colossaux et lacérant tout ennemi touché. Donc voilà, très intéressant. Temps de recharge aussi, donc très très bien. Attaque normale renforcée plus 20%, attaque puissante étendue plus 20%, attaque puissante renforcée plus 20%, donc déjà 20% de moins que c'est Inosuke. Attaque puissante déchaînée, attaque spéciale renforcée plus 40% aussi. Moins 20% que c'est Inosuke. Mais après il a des trucs que c'est Inosuke n'a pas. Malédiction, rapidité plus 1 et fléau délacéré. Donc voilà, en fait il est un tout petit peu moins bien sur l'attaque puissante renforcée et sur l'attaque spéciale renforcée. Mais lui il a l'altération d'état en contrepartie et la fléau délacéré, donc il augmente ses dégâts sur les ennemis lacérés, etc. Donc c'est un petit plus, voilà, c'est histoire d'équilibrer un petit peu tout ça. Mais après d'un côté c'est Inosuke,
Voilà, c'est un petit peu un personnage qu'on a. Bah, c'est le personnage qu'on n'a jamais eu jusqu'à maintenant. Et c'est l'un des personnages. Je sais pas si c'est un personnage phare de la série roman, mais je pense que oui, un petit peu. Enfin, elle a son rôle. Et puis, voilà. Ok, on va regarder les fillers. Les amis, bah moi j'ai tous les fillers, à part Isane. Voilà, j'ai tous les fillers à part Isane, le petit new filler qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais tout le reste, bah j'ai déjà Isane, les fillers, de toute façon c'est une question, voilà. Faut s'adapter les amis, c'est comme ça. Il n'y a pas de solution ni de possibilité, faut juste s'adapter et pas se morfondre à chaque fois. De toute façon, il y a les portails solo. Et puis voilà, donc globalement le portail sur le papier est très intéressant. Kenpachi qui a une très grande utilité. Sainosuke qui m'a l'air d'être extrêmement fort. Kyuraku c'est pareil. Après, à voir les gameplays. Donc il n'y a pas les gameplays, je ne peux pas donner un avis final là-dessus. Donc on se retrouvera pour les gameplays. Mais là en tout cas, Isane, elle m'intéresse. Mais tout le reste, je les ai. Voilà, c'est dommage. Ça va être encore un truc très risqué pour moi. Mais. Putain, j'ai 1400 orbes en plus là. Va falloir y aller mollo mollo. On va regarder les portails solo, les amis. On va commencer avec celui de Kyuraku. Alors, Kyuraku sera en compagnie de Kyone Sentaro que je n'ai pas. D'accord. Itsugaya que j'ai déjà. Shinji que j'ai déjà. Et Shuei que j'ai déjà. Ouais, c'est pas super super rentable d'aller le chercher sur son solo puisque j'ai quasiment tous les fillers du solo aussi. Ok, on va regarder aussi les autres. Alors, c'est Inosuke. N'hésitez pas à vraiment aller chercher le personnage que vous voulez en priorité sur son solo, hein. Regardez bien, donc Byakuya que je n'ai pas. Kyuraku qui est nul à chier, clairement. Ikaku que j'ai déjà. Et Renji d'été que j'ai déjà. Ouais, en fait, il y a juste un personnage que je n'ai pas. Il y a juste un personnage que je n'ai pas et après tout le reste je les ai. Donc en fait là je me dis bah, je vais peut-être invoquer sur le portail classique. Voilà. Donc Kenpachi sera en compagnie de Isane. Ça se fait pas ça par contre. Le mettre dans le filler du portail doublé, le mettre dans les fillers du portail solo quoi. Unohana que j'ai déjà. Kensei que j'ai déjà. Maréchaux que j'ai déjà. Rien à dire. Là, les fillers sont vraiment pas bons. Voilà, que ce soit dans les portails solo ou même doublé, les fillers sont vraiment pas bons, pas bons, pas bons du tout. Et enfin, pas bons du tout. Pas bons du tout pour ma box. Voilà. Pas bons du tout pour ma box. Pour vous, nouveaux joueurs, vous pouvez y trouver une très très grande utilité. Sur certains fillers. Donc vous fiez pas principalement que à mon avis. Vous avez Tsukishima qui est très utile pour les tours. Vous avez Ukitake qui est aussi très bon. Beaucoup de personnages qui peuvent vous débloquer dans les tours. Mais voilà, globalement, les fillers sont moyen bas. Voilà, clairement. Les fillers ne sont pas très très bons. Sur la moyenne. Voilà, il y a des personnages qui sont très anciens. Qui sont là très très anciens. Donc c'est dommage. Putain, Ichigo TT quoi, ils l'ont mis hein. Donc c'est dommage. C'est dommage. Moi je vais peut-être invoquer, mais je vais attendre d'abord les portails. Enfin les gameplays. Je vais d'abord attendre les gameplays avant de donner mon avis final sur le portail. Sachant que l'anniversaire arrive à grands pas. Donc faites attention un petit peu à vos orbes. Mais en tout cas le portail est super super stylé. J'espère qu'on a fait le tour un petit peu bah, des personnages en question. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, si ce n'est pas déjà fait pour les nouveaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour les autres. N'hésitez pas à me suivre en live tous les soirs sur Twitch. Je serai en live ce soir, comme d'habitude, aussi sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. C'était Shiny pour vous servir. Jubai Cyber. Peace!